chasseur d'étoiles, frangin de l'arbre vénitien qui coule sur ta grande toile. Voudrais-tu me prêter ta plume afin qu'on pardonne mes excuses, repeindre l'amertume de ce repas en déclavortex. Si je t'écris, c'est que je crie. Salut Régis Manarini. Richard. Alors ? Eh bien, qu'est-ce que tu me dis ? Eh bien, on vient de finir le concert chez toi. Et oui, ça j'ai vu, ça je sais, oui, non. Mais avant ça, je faisais beaucoup de guitare depuis que je suis tout petit. Et je faisais des concerts dans des églises, des choses comme ça, de la guitare classique et des musiques corses, des compositions. Et puis un beau jour, j'ai eu envie d'écrire des mots et de les chanter et de les mettre en musique. Et tout de suite, je me suis mis de mèche avec mes camarades qui sont juste derrière. Ah oui, je vois tes camarades. À savoir l'ami Bradel, Emmanuel Auger et Jean Vacher à la contrebasse. Ah d'accord. Et avec Quentin, on a commencé ensemble à composer les premières chansons. Très bien. Et puis très vite, on a créé un tour de chant. Et tu es d'où ? Saint-Raphaël, Var, France. Ah bah, ouais, d'accord. Bah, ouais. Europe. C'était sur la Terre, quoi. Ouais, voilà. Ouais, bah justement, c'est là où. Mais oui, non, voilà, du Var, de Saint-Raphaël. D'accord. Très attaché à cette ville. Et puis, j'aimerais savoir ce que tu penses, par exemple, ce que tu penses. Là, maintenant, là ? Ah, ce que tu veux. Ce que tu penses. Bah, moi, après avoir chanté dans un devant un public aussi fervent qui. Très bien accueilli, ce que je pense, c'est la prochaine date. Où elle va se faire, quand est-ce qu'elle va le faire? Parce que c'est quand même pas simple de se retrouver sur une scène pour chanter des chansons françaises quand on les crée. Donc là, le premier truc auquel je pense, c'est quand est-ce qu'avec tous mes potes, et là où il y en a une partie, quand est-ce qu'on va pouvoir. Quand est-ce qu'on va donner la chance de. Ouais, ici ou ailleurs. Moi, ben, l'année prochaine. Pas reçu. Voilà, c'est très important. Voilà, quoi, je pense. C'est d'être sur scène, c'est de chanter. C'est tout. Ah oui. Tu penses qu'à ça? Tu veux savoir toutes mes vraies pensées? Je veux savoir, dis-moi si tu penses et si ça t'arrive de penser. Non mais je peux pas parce qu'après, tu vois, c'est un peu olé-olé. Ah, c'est comme tu veux, tu n'es pas obligé. Hein. Non, ben là, à quoi je pense? Je pense que j'ai vu une très, très belle tarte. À donner à tes frères humains, si tant est que les humains soient tes frères. Ouais. Parce que là, ça va apparaître sur YouTube et sur Rutube. Ouais. Tu vois, si tu as un message à dire à tes frères humains, qu'est-ce que tu devrais leur dire? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Si tu as envie de leur dire quelque chose. Voilà. Manger équilibré. De manger équilibré. Oui, c'est un bon message. Ça, c'est bien. Tu peux. Là, c'est pesant, là, ce silence. Hein. Bah écoute, il faut dire ce que tu penses. Hein. Si tu penses. Je ne peux pas m'aider. On leur dit d'écouter des chansons qu'ils pensent. D'écouter de la musique en vrai et pas sur les plateformes internet, d'aller voir les artistes pour qu'ils aient de la musique en direct et que les artistes aient quelqu'un qui les écoute. Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Et puis qu'ils suivent leurs convictions et plein de bonnes choses en fait. On a envie de transmettre un beau message. En tant qu'artiste, c'est la chose qu'on a envie de faire, de transmettre un beau message. Oui, mais quel message ? Soutenir nos spectacles vivants, déplaçant pour aller écouter la musique dans les salles. C'est pas écouter la musique, c'est pas juste mettre un disque, juste appuyer sur un bouton. Ah, d'accord. Spectacle vivant, c'est important. Ah oui, oui. Oui, parce qu'une chanson, c'est simple, en soi, on se dit c'est con, c'est. C'est un bout de papier, machin, ou une œuvre, mais c'est énormément de travail en fait. Enfin, là, si on rejoint l'idée du spectacle vivant, que ce soit du théâtre, que ce soit de la musique classique ou du jazz, c'est quand même énormément de travail avant qu'un artiste se retrouve sur scène. Donc les soutenir, c'est très important. Après, moi, s'il y a un message un petit peu plus universel, c'est de jamais hésiter à essayer, même à essayer de faire un petit peu le bien autour de soi. Je crois que ça, mais bon, c'est un petit peu, c'est pas que c'est disjoué, mais ça coule de source. Voilà. C'est bien de le dire quand même. C'est bien de le dire, mais. C'est ton message. Faites le bien autour de vous. Ouais. Auprès de vous. Auprès. Voilà. Eh bien, très bien. Je te remercie, Régis. Ouais, c'est moi qui te remercie, Richard.
toi et ta belle équipe. Le soir était sur cette plage, je voudrais tout recommencer. Je mourrais pour me rappeler le souvenir de cette ancienne histoire où ta main sur la mienne me promettait l'éternité sous l'eau. Le présent simple de passé, je me rappelle pour mémoire que vraiment tout peut s'oublier. Voilà qui est peut-être vrai. C'est le point. Chanson qui s'appelle L'amant. Quand vous apprenez.